Mademoiselle Camille, vous êtes là? C'est vous qui m'avez déshabillée. Très chastement, je vous ai bordé. Non, 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 vous mettez pas dans un état pareil, hein, je voulais juste savoir. Oh, le chevalier, qu'est-ce que tu nous as raté? Peut-être ta gueule, hein. On a toujours paniqué. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on s'occupe de moi comme ça. Vous vivez seul? Pas exactement, j'ai un colocataire. Il va rester combien de temps? Bonsoir. T'es chez toi, t'héberges qui tu veux, mais c'est dommage. Dès que tu fous une gonzesse quelque part, ça fout le bordel. Vous allez pas vous laisser impressionner par lui, quand même. Baisse ta musique. Putain, mais t'arrêtes de me faire chier, toi. Baisse ta musique, on va avoir des problèmes avec les voisins. Allez, barre-toi. Putain, ouvre cette porte. Je l'ai baissé, c'est bon. Tu vas te tirer d'ici, hein, je te le dis. Tu fais la gueule. Réponds-moi, t'es fier de toi? Si tu continues à m'agresser comme ça, je te le dis franchement, je viendrai plus te voir. Je travaille toute la semaine comme un con, sauf le lundi. Le lundi, qu'est-ce que je fais? Je viens te voir. C'est ça, ma vie. Je suis fatigué. Mais moi aussi, je suis fatigué. On va pas se battre pour savoir qui va rester. Alors, soit on arrive à rester tous ensemble, soit c'est moi qui me barre. En fait, tu te donnes des airs comme ça, mais t'es un gentil, toi. Ouais, vous profitez-vous. Bonne année. Madame, attendez, chef, là, parce que je suis en train d'essayer d'emballer une fille très intelligente et c'est pas facile. T'as changé de son ex, la Brigitte. Ouais, oh, ouais, mais... J'ai déjà dit, Camille et moi, on partage pas la même chambre. T'as compris? T'es dommage. Moi, tu me donnes 500 € par mois, je démissionne et je m'en occupe de ta grand-mère. T'as envie de me faire chier, ou quoi? Après, il faudra que tu me prennes dans tes bras pour me consoler, hein. C'est un risque que je veux bien prendre. De toute façon, j'en voudrais pas de tes bras. Je suis affreux de gérant, je vous assure. Oui, il est magnifique ce dessin. Mais dis donc, tu deviens pétissante, hein. Arrête. Je veux pas que ça se passe comme ça entre nous. Mais je suis bien avec toi. À l'avenir. Au présent. Hé, on va pas tomber amoureux, hein.